Voilà, ça va loin. Oh, Paname, c'est tout feu, tout flamme. Oh là là, je suis rincé, mon vieux. Ah, bah oui, moi aussi, on est. Ah, vous avez éteint votre micro, vous. Oh là là, mais quel amateur. Ah, c'est une bromance. Il me fait tout un sort sur deux, tout ça pour me montrer ses fesses. C'est la bromance. Ça y est, on a déjà perdu Olivier, on n'a même pas commencé. Quel match. Ça marche, là. Quel match. Ça marche. 1-2, 1-2. 1-2, test. Quel match du Maroc, c'est exceptionnel. Franchement, historique, on a vibré. Les Marocains aussi ont vibré et on a eu une analyse du match d'un supporter, déjà. Ah ouais, ouais, c'est la meilleure analyse. Il n'a pas trouvé ses mots. Meilleure analyse, bravo à eux. Et je pense que demain, on va avoir beaucoup d'images des Marocains qui vont faire la fête toute la nuit. On se remet de nos émotions. Allez, petit tour des terrains, c'est parti. On y va, direction l'Écosse pour voir un but de la tête. Mais pas de n'importe qui, puisqu'il a été inscrit par monsieur le gardien. On aime ça, hein. Ouais, c'est toujours bien. Ah, c'est beau, c'est beau. On vous avance en Coupe du Monde. Ouais, les Argentins sont fous de la Coupe du Monde. Regardez. Non. Ouais, dans la piscine, rien à foutre. Oh, les Ah, les salauds, ils ont mis du Claude François quand même. En parlant d'Argentin, savez-vous qu'il est désormais possible de jouer avec Léo Messi dans le jeu Call of Duty? Ouais, ça c'est Messi, ouais, ils l'ont inclus dans leur jeu. Il n'est pas très rapide. Ouais. Ouais, mais il est bien fait quand même. Comment stopper Steph Curry? Ce joueur d'Indiana peut-être trouver la solution. Voilà. Ah, s'accrocher ouais. Lui. Ouais, voilà. Et non, rien fait. Et ce papa fan de basket a découvert son fils en train de dormir dans une position qui lui a rappelé un truc. Magnifique. Génial. Bruno, vous qui êtes fan de hockey, regardez cette feinte. Hop, je lance le gant, paf. Mais oui. Excellent. J'adore. Et l'arbitre de hockey qui aurait dû s'installer un radar de... Parce qu'il faut des caméras de recul. Il a un maillot de hockey. Eh oui, c'est un grand fan de hockey. Direction Doha, ça vous dit? À vous, j'ai remarqué que vous dites Doha. Bah, je sais pas vous dire quoi. Je vais faire une compile là, demain, parce que j'ai remarqué que vous dites Doha. Bah, j'ai quelques types de langage. Bah, ouais. C'est pas mal. On aime ça. Direction Doha, la conférence de presse des Bleus. Les journalistes sont en place. Ils attendent un joueur. Allez, allez. Qui? J'espère qu'ils vont nous envoyer Mbappé en conf là. Hein. Ou Dembélé. Oh, et Dembélé, ça serait trop bien. Ah, mais on l'aime bien quand même, Guy Stéphane, évidemment. Et j'espère qu'il avait bossé le dossier Mbappé. Que vous inspire le début de Coupe du Monde de Kylian Mbappé? Quand Kylian Mbappé est venu en... tu disais que Kylian Mbappé était déterminé. Didier disait l'autre jour au sujet de Kylian. Ouais, en tout cas, Guy Stéphane, je crois qu'il aime bien Kylian. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est parti. C'est sûr qu'avec Kylian, on a un joueur... hors norme. Pour un joueur qui est hors norme, un joueur qui est très créatif, très inventif, de bonne humeur. Il a une explosivité, une qualité de frappe. Il a 4 ans de plus. Vitesse, explosivité, frappe, intelligence, vision et également. Ouais, si Kylian a vu la conf, il est arrivé comme ça à l'entraînement. C'est sûr. Bah, oui. Non, mais il le mérite, là. Kylian, franchement, pour le coup, on ne peut que l'encenser. Greg, est-ce que vous avez déjà vu Olivier Rouillet? Ah non. Oui, j'ai déjà vu. J'ai rien dit encore. Ah bon. En tout cas, j'ai déjà vu Olivier Rouillet. J'ai peur. Faire la danse du ventre. Ah non, bon, ben, regardez. Je suis nul. Si, si. Allez, la danse du ventre, Olivier. Ah bah ben, ça, je vous laisse faire. Olivier, non, moi, je tente pas du ventre. Voilà. Eh bien, non, c'est raté. Alors, je vous lance un défi, Olivier. Non, si le Maroc passe en demi-finale, il y aura une danse du ventre. Tapez-la. Pouh. Oui. Ah, il l'a fait. Magnifique, il l'a fait. On a des caméras. Allez, le Maroc. Allez, hey, travaillez le bidou, Olivier. Hein. Ouais, enfin, parlez pas trop parce qu'on vous a vu dans la grande soirée, il y a un magnéto qui arrive tout de suite. Mais il m'a coincé. Regardez, c'est les yeux dans la grande soirée. T'es coincé. On y va, la cabine, terrible. T'es coincé. Ah bah non, pardon d'abord. Regardez ce gardien, terrible. Regardez. Ah eh ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bah, une action ratée. Bon, alors là, il y est un peu pour grand-chose. Ensuite, bim, qu'est-ce qui se passe? Autre action dans le même match. Non, arrête. C'était le métier de gardien de but peut être très, très cruel. Et regardez, une dernière action. Arrête. Je vous assure. On a vu ça. On a mal pour lui. Ça se passe de commentaires. Il est très triste. Voilà. Allez, relève-toi, poteau. Je veux pas retourner. J'y vais pas. J'y vais plus. Votre truc, c'est nul. Voilà, je vais remplir les gourdes. Allez, courage, retourne-y. Voilà, le métier. C'est triste. C'est le pauvre. Il y avait une bonne ambiance. Et puis là, on a pété l'ambiance. Super, en tout cas. J'aurais préféré me voir coincé par Yann Rioux, si je peux me permettre. Eh ben, on y va. C'est des yeux dans la grande soirée. C'est parti. Ah oui.
Et ouais, Greg Hacher qui est venu faire un tour en cabine, il est venu avec ses meilleures vannes, enfin sa meilleure vanne. Et non, on n'a rien raté, mais là il y a du nouveau, on a une recrue, ça y est, on a une recrue, Grégory Hacher. C'est là, c'est là. Pitch, ouais, il a du malin, Maïda, il va s'appuyer derrière, la remise. Maïda l'abeille. C'est pas mal au niveau des commentaires et tout, c'est très bien, vous êtes dans le ton grande soirée, mais pour vraiment être dans le ton, il faut danser. Votre coup de cœur, c'est le Japon. Il faut savoir danser. Musique japonaise. Musique japonaise, cette cabine, c'est n'importe quoi pendant ce mondial. Il va se faire bloquer par Ryu. Et là, Raphaël se fait choper. Et ils se connaissent bien avec Raphaël, donc ça peut vite déraper. Ouais, ouais, ça dérape très très vite avec eux. Ouais. On a préféré crypter parce qu'après c'était trop chaud. Ouais, non. Et puis Johan, il a même réussi à faire danser Djibril. Alors, c'était plus facile qu'avec Olivier. Ah bah oui, bah ouais. On y va, petite leçon. Allez, on danse. C'est la grande fête ici. Djibril en quelques instants à la mi-temps, évidemment, pour débriefer tout ça. Bon, par contre, Benoît Cosset n'a pas réussi à faire danser Bernard Mendy, non. Bernard Mendy est obligé de danser, on rappelle, sur la musique japonaise, après la musique japonaise. C'est n'importe quoi. Vous êtes obligé au c'est moins la fatigue, de... là. Je ne danse pas sur les musiques japonaises. Jérôme Alonso s'est incrusté, regardez. Il va avoir des problèmes. Regardez, il aime bien pincer Candice quand il regarde. Hop là. Arrête de passer, ça fait mal. Quand t'invites Jérôme Alonso dans la cabine, bah après, il ne veut plus partir, c'est terrible. Ils ont touché ces Japonais pendant toute la Coupe du Monde. Messieurs, on est avec eux dans la voiture. On va regarder les images tout de suite dans le journal de Raphaël Sebaoun. Ensuite, c'est l'équipe de Greg. Faut que je passe alors là. Bah oui. Allez. Merci Jérôme. Merci Jérôme et bravo, là c'est fou qu'ils nous font vivre des grandes soirées exceptionnelles. Et on se quitte avec une télé, une grande télé qu'un papa a achetée pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Elle a été livrée, mais elle va vite être délivrée. Tac, allez, non. Allez hop là. Ah bah elle va beaucoup mieux marcher. Reste là, merci bien Antoine, on a tout le temps. Dans un instant, mon partenaire sans CR7 est en danger face à la Suisse. A tout de suite dans le DG.